Chers amis, en cette fin d'année 2023, je viens vous souhaiter un très joyeux Noël, vous présenter tous mes vœux pour l'année qui vient, tous mes vœux pour la dernière fois, puisque se conclut l'année prochaine un mandat quinquennal. Je suis très reconnaissant aux entrepreneurs qui nous ont accompagnés pendant ce mandat, accompagnés pour mettre en place un projet ambitieux qui nous a permis d'abord de créer une unité de recherche au service de la formation, de transformer le STBB en école d'ingénieurs, une deuxième grande école à côté de notre business school, l'ESDES, de créer un campus à Annecy qui est en train de grandir, 400 étudiants déjà cette année. Bref, nous avons fait de beaux projets et cela grâce à vous, grâce à votre accompagnement, grâce au mécénat, grâce également aux alumni qui sont vraiment impliqués dans la vie de cette université. Alors il reste encore quelques choses à accomplir, en particulier les journées de l'UCLI en 2024 viendront mettre un point final à la chaire vulnérabilité qui nous a permis d'être très présents à Lyon dans notre milieu économique et social, et donc des journées qui seront consacrées à la crise et à l'espérance. Une espérance, une résilience qui repose aujourd'hui dans notre société française beaucoup justement sur les entreprises que vous représentez. Inauguration également au même moment d'une maison de la recherche et de l'entreprise. Nous souhaitions ce lieu depuis longtemps. Voilà, ce lieu qui a été construit grâce à la région Auvergne-Rhône-Alpes et grâce au mécénat permettra d'avoir vraiment un lieu de communication, d'interface avec vous. Donc je renouvelle mes vœux pour vous-même et pour ces entreprises qui nous ont accompagnés. Je souhaite vraiment évidemment que cet accompagnement aille au-delà de mon propre mandat. Très bonne année, très joyeux Noël.